Aujourd'hui, la Commission a accepté les engagements proposés par Amazon. Ces engagements répondent à nos préoccupations préliminaires concernant les pratiques d'Amazon dans le commerce électronique. Le respect par Amazon de tous ces aspects sera assuré à la fois par un mécanisme de conformité et par un mandataire chargé de la surveillance. Le mécanisme de plainte sera ouvert aux vendeurs et aux transporteurs pour signaler tout soupçon de non-conformité. Dans le premier cas, le détaillant en ligne est accusé d'utiliser sa taille, son pouvoir et ses données pour commercialiser ses propres produits, ce qui désavantage les marchands rivaux de la plateforme. Amazon a désormais accepté de ne plus utiliser les données des vendeurs pour ses propres marques. La deuxième affaire concerne le classement de la boîte d'achat sur son site web. Amazon a accepté de créer une deuxième boîte d'achat bien en vue pour les produits de ses concurrents. Amazon a également accepté que les vendeurs sous sa fonction Prime puissent choisir leur propre service de logistique et de livraison. La Commission européenne a déclaré qu'elle se chargerait de contrôler le respect de ses promesses par la société.